Allez, le cheval. On repart. Oui, 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 oui. C'est vachement beau quand même. C'est pas tant que c'est beau, c'est que ça a vraiment du style. Et on repart où là? Qu'est-ce qu'il dit le Wisebot? Le prestigieux magazine japonais Famitsu donne à Skyrim la note ultime de 40 sur 40, sacrant le titre comme l'un des meilleurs jeux jamais produits. C'est exact. À sa sortie, ça a cartonné. Wesh les loups! Mais c'est loin là. je sais pas. Pose-toi le loup. Laisse mon cheval. Intérêt d'arriver là parce qu'on est en train de se peler les cacahuètes. Oh le loup. Encore là lui. Allez, démarre, démarre, démarre le cheval. C'est sûr c'est là. Oh yo. C'est quoi ça? Allez, le cheval, fais des trucs. Tu peux le faire. J'ai confiance. T'as fait pire déjà. Voilà. Voilà, j'ai vraiment froid là. Je sens mal l'histoire. Je vais mourir avant d'arriver là où il faut. Mais non, mais c'est pas là, c'est pas possible. Le cheval grimpeur. Waouh, mais c'est où ici? On est au bout du monde là. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah ouais, mais non, c'était là, d'accord. Qu'est-ce que je fous là en fait? Ouais, mais j'ai vite intérêt de redescendre. Est-ce qu'il se fait mal? Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Un petit peu, mais ça va. Par contre, moi je suis en train de crever là. Oïe 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 oïe. Ah ouais, d'accord. C'est de la chute. Ça va. On a compris, je suis mort. Un gros plan à côté du cheval. Pas mal. Et donc? On va pas passer par là, hein. On va suivre un parcours, un chemin plus classique. Tu vas où le cheval? Putain, c'est casse-couille à passer là avec le cheval, c'est pas fait pour.
Alors. Et ouais, mais c'est pareil, hein. Par où je peux passer? Là-bas, c'est l'académie. Faudrait que j'aille là, mais je connais même pas en plus là. Vendôme, je connais pas. Ouais, je vais pas passer par là. Trop froid là-haut. On va mourir avant d'arriver. Oh là là. On va voir. Hop 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 hop. Barrez-vous. Barrez-vous. Putain, je sais même pas si c'est là. Mais c'est pas là. Si? Oh là là. Ça, c'est un chemin, ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je l'avais jamais vu ce truc. Oh putain, ils sont pas sympas. Est-ce qu'il peut sauter le cheval? Ah non, il va pas sauter, il va mourir. Waouh! Et ça, c'est quoi ça? Ah, je crois que je suis pas dans un bon truc là. Vite que j'arrive à là. Si j'y arrive. Peut-être faire une pause là, histoire de se réchauffer. On va prendre cher. L'air est chaud. On reste un petit peu là. C'est normal, il y a de la brume là. Bizarre, c'est tout flou. Ah d'accord, c'est parce que j'avais froid. Casse-toi la mouche. Comment on fait là pour ouvrir ce truc? Je vois pas de... Je vois même pas d'entrée là. Bon, c'est pas grave. On se casse. C'est reparti.
quoi? Se passe des trucs ici. Mais non, mais là je suis dans la banquise. Qu'est-ce que tu veux que je foute là? Oh, un cheval. Un copain cheval. Attends, il y a un feu, on va se poser là. Défense. Viande. Ça, on récupère. Je peux monter sur toi. Oh, stylé. Hop là, changement de cheval. Je sais pas où je vais. Mais alors pas du tout. Hein. Bah dans ma direction, mais par les côtes. Allez, allez, cours le cheval, tu vas te faire croquer. Putain, s'il meurt, j'ai l'air con. Ouais, j'ai des yétis. Un lapin des neiges. Et là, il devrait y avoir un camp. C'est pas de camp, ça. Quoi? C'est pas un camp, ça. Raconte lui. Oh putain. Et on continue. Oh le périple. Pas loin, allez. Je sais pas ce qu'il fait le cheval là, mais c'est pas grave. Wow, il y a trop de trucs. Bon, c'est que des loups, hein. C'est pas. Pas trop grave non plus, mais ça peut éviter de nous manger, ce serait bien. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le comte de cheval? Il patauge. Oh là là là, pas bon là. Je sais pas où je suis là. Ah bah ouais, génial dans l'eau. Ah bah ouais, trop bien. On remonte sur le cheval quoi.
Oh le con. Je suis sûr que je vais atterrir dans la grotte. Et voilà, sûr. Je vais reprendre mon cheval. Ah ouais, mais là carrément quoi. Ça m'apprendra à faire le con. Ah bah du coup faut que je refasse tout là. Et là je peux dormir. Ok. Ah, j'avais pas vu ça. Du coup, je peux dormir au chaud pendant une heure. Voilà, nickel. Mais ouais, mais c'est pas là du tout. Là. Putain, qu'est-ce qu'il fait le cheval? Oh! Cette galère, cette galère. Cours, tu vas te faire manger. Cours. Sanctuaire, mais je vais pas y aller. T'es copain ça ou quoi? Ça a l'air. Ah, ils vont libérer le prisonnier. Affaires impériales, poussez-vous. Enfin non, ils vont pas libérer le prisonnier. C'est moi, je peux libérer le prisonnier. Ça c'est pas... c'est le bordel un peu ici. Allez vite vite vite. Je sais plus où c'est là non. Tout droit.
Allez, grimpouille, grimpouille, on y verra mieux en haut. Ouais, mais voilà, nickel. Ce cheval. Cheval 4x4. Par contre, là, je peux mourir. Oh là 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 là. Il est pas. Oh là là là. Oh, il me fait peur, il me fait peur. Bon, c'est pas là. Hein. Donc, c'est de l'autre côté. On va essayer de pas mourir. Aïe 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 aïe, c'est périple. Tombe pas dans l'eau, tombe pas dans l'eau. Putain, je vais pas y arriver. Hein. C'est bon, t'y es là, rentre dans... Putain, je vois rien, je vois rien. Là, on peut pas se réchauffer, là. Voilà. Oh là 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 là. Oh! Un argonien comme moi. On raconte que l'académie s'intéresse d'un peu trop près à Sartan. On est habitué à vivre du minimum, mais les brise-boucliers veulent nous réduire en esclavage. On travaille où on peut. Les Nordiques n'aiment pas décharger leurs bateaux, alors on le fait à leur place. Parfois des marchandises disparaissent. J'étais à peine sorti de l'œuvre quand je suis arrivé ici. La seule chose plus froide que bord de ciel, ce sont les Nordiques eux-mêmes. Mais on se serre les coudes. Oui. Thorbjorn brise bouclier. Ah, ce que j'aimerais que quelqu'un lui fasse lâcher ses précieux septimes auxquels il s'accroche comme une sangsue. Il dit que le travail d'un argonien ne vaut qu'un dixième de celui d'un vrai manœuvre nordique. Nous ne sommes pas des esclaves. T'inquiète, je vais y aller, moi. On va essayer, mais cela ne nous a mené à rien. Je vais le faire. Hop. J'espère que nous nous reverrons bien. Ah, si seulement les Nordiques... Avec ce type d'armure, vous pouvez contourner les grosses brutes ralenties par une armure lourde. Ouais, mais moi j'ai pas d'armure, là. C'est pas une armure légère, ce que j'ai. J'en ai pas besoin, mec. Moi, je vais parler à ton gars, là. Très bien. Je vais parler à ton gars parce que t'es mon frère. On est des argoniens tous les deux. Voilà, on va faire celle-là en premier. Et après, c'est le livre perdu. Je sais que cet endroit a piètre allure. S'il vous plaît, n'en tenez pas rigueur. Mais c'est pas là. Je sais que cet endroit a piètre allure. Je sais que cet... Oui, c'est bon, tu me l'as déjà dit. Bord de ciel n'est pas tendre avec les argoniens. T'inquiète. Alors nous faisons discret. Ça va changer. Non, mais normalement, c'est là. Mais il faut passer par là, ok. Putain, le con. Ça va changer, ça va changer. Et
Elle est où là pour montrer la grande porte? C'est quoi encore ici? Allez, on va le voir le gars. Comment Elda peut-elle détester les elfes noirs alors qu'elle en sait si peu à leur sujet? On va se réchauffer un peu. Toi là. J'apprécierais que vous ne dérangiez pas ma femme Tova. Elle est toujours en deuil. Mais non, mais je veux pas te parler de ça, moi. Ils ne valent pas les septimes que je leur paie. Je ne vais pas leur donner de l'argent que je pourrais donner à de bons travailleurs nordiques. Persuasion, j'en ai pas. Bagarre. Je sais pas si c'est le bon choix, bagarre. Hein. Je vais peut-être enregistrer avant. Pop. Pardonnez-moi, la pauvre Nilsine est anéantie depuis que sa sœur a été tuée. Ils ne valent pas les septimes que je leur paie. Je ne vais pas leur donner de la... Je vais vous apprendre à me parler comme ça. Qui vous a... Attention à ce que vous faites de quelqu'un parce... Oh, il défonce. Il est costaud, lui. Écrabouille cette nuque givrée. Allez, tuez-les. Il va juste me faire. Voici une autre vraie fille, ces filles de bord de ciel. Montez votre garde. Mais c'est moi, je t'en mets une là. C'était chaud, hein, costaud lui. Eh ben. Eh ben voilà. Ça a bugué, mais c'est pas grave. Non, je mets pas une tarte. Toujours pas à croire qu'Isabella est partie. C'était une jeune fille. Flamme à droite, soin à gauche, exactement. Vous auriez une petite pièce pour une pauvre vieillarde, mon bon monsieur. La charité. Talos récompense les généreux. Tiens. Oh, merci. Puissent les divins vous bénir. Vous préparez un coup, c'est ça? Je veux bien vous apprendre, mais ce ne sera pas gratuit. Comment tu payes, voilà, tire trop cher, trop cher. Les dieux aiment les âmes. Haïssez-vous les elfes noirs? Bah non. Ici pour nous tourmenter et nous chasser d'ici? Non. Alors vous n'êtes pas dans la bonne ville.
Vendôme est la capitale des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Elle est indigne de quelqu'un. C'est toujours quelqu'un. La plupart des Nordiques qui vivent à Vendôme nous méprisent. Mais Rolf est le pire de tous. Son passe-temps favori est de se saouler et d'arpenter le quartier gris en nous hurlant des insultes au petit jour. Un homme charmant. Je ne vous demande que la charité. Certains de ces Nordiques seraient prêts à dire n'importe quoi pour nous causer du tort. Et ils ne détestent pas que les elfes noirs. Ils s'en prennent aussi aux Argoniens. En fait, tout ce qui n'est pas nordique est la cible de leurs attaques. Quelques piécettes pour quelqu'un qui... D'accord. Évitez de vous attirer des ennuis. Je peux pas sauter là, j'imagine. Si je saute dans l'eau et que je remonte vite. Ah mais y a pas d'eau là. Je vais faire de la merde. Je le sens. Pas la peine. Là, il a encore la dalle. Toujours la dalle. Côté moi, oh là là. C'est pas ce côté que je veux moi. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que c'est ces villes mal foutues hein. Allez. Comment? Tu peux pas sauter? Par contre, il a vraiment zéro endurance. Hein. Magie full, mais endurance que dalle. Enfin, full. Pas full de masse, mais... Oui, je sais, t'as froid. Oui. Il flotte. La maniabilité est space. Vous devriez vous débarrasser de l'équipement dont vous ne voulez plus. Adressez-vous à l'elfe, aux occasions de Sadri. Hop là, le bug. Je vole. Ok. Je vais enregistrer et tenter un truc débile. Mais j'ai pas envie de faire tout le tour. Voilà. C'est pas si débile que ça. Normalement c'est bon. Non, ça c'est débile. Reviens. Saute. Ouf, quoi c'est galère. C'est bon gars. Mais je vais où en fait là, je reviens. C'est passé quoi encore? D'hiver. Il est parti. Ah mais il doit dormir ce con. Du coup je peux pas crocheter sa maison. On va tenter. Je vais rentrer par effraction chez lui pour vous dire que j'ai fait sa quête. J'ai pété tous mes trucs, hein. Putain! Oh, c'est pas vrai!
Tout ça pour lui dire que j'ai fait sa quête à la con là. Putain, mais c'est au poil de Cupré, c'est pas possible. Bon, allez, j'abandonne, hein. Je vais passer la journée. De toute façon, il me reste plus que 3. Fait chier lui, hein. Je vais me mettre là, je vais attendre toute la nuit. Je vais attendre 10 heures. Et j'ai super faim maintenant avec ça. Bon, il est où? Ça y est, c'est bon, j'ai fait ta quête là. Nos frères seront mieux payés. Nous autres Argoniens faisons le travail que les Nordiques refusent de. Ainsi, vous avez rabattu son claquet à Thorbjorn? Bien sûr. Impressionnant. Tenez, je gardais ceci pour les mauvais jours. Peut-être pourrais-je désormais m'en offrir d'autres pour les miens. Qu'est-ce que tu m'as donné? Sur magie? Voilà, j'ai fait ta quête. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Par contre, je suis toujours malade. Hein. Je sais pas comment ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est d'hiver? C'est où? Rejoignez. Non, non, mais je veux pas faire ni ça ni ça. On en était. Au livre. Ça, c'était qu'une escale ici. Ah ouais, mais non, faut genre. Qui tu parles, toi? Espèce de taré, ouais, j'ai fait des trucs pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Pose-toi, le loup! Pas dans l'eau. Putain, mais il fait toujours froid ici. La Syrie. Est-ce qu'il y a moyen de vendre des trucs à lui? Putain, t'es chaud toi, hein? Plein blizzard et tout, tu travailles. Pas bien habillé. Oh putain, non. En fait, elle sert à quoi ta Syrie? Il y a deux maisons. Deux maisons, une poule. Pff, ça a rien. Pourquoi tu cours toi? Qu'est-ce qu'il a lui? C'est quoi ça? Oui, notre ordre a été fondé après la crise d'Oblivion. Nous vouons notre existence à la lutte contre les Dédras partout où leur menace se fait sentir. Nous logeons au bastion des Vigiles. C'est la gardienne Karset qui dirige notre ordre en bord de ciel. Nous prodiguons des soins et rendons la justice chaque fois que l'on a besoin de nous. Ah, c'est sympa ça. Il est le dieu de la compassion, le défenseur de l'ordre et de la justice dans tout Ariel. Nous apportons sa compassion là où il n'y en a pas, en purifiant tous ceux qui offensent ses enfants. Et toutes les autres abominations qui s'en prennent aux mortels, telles que vampires, loups-garous ou sorcières. Mais les Dédras sont les pires.
Le peu de cas qu'ils font de la vie humaine est une abomination pour le dieu de la compassion. Ok. Donc les Dédras, c'est genre des démons en fait. On va se réchauffer. Peut-être que même je peux dormir. On va dormir 3 heures, 4 heures, allez, on va se mettre bien et avoir grave la dalle. Vous souffrez d'une affection cytopogamique invalidante. Ok, qu'est-ce que c'est encore ce truc? Alors, affection cytopogamique. Les armures et légères. Encaisse 70% de moins. Ah, oh, c'est grave la merde, mais je sais pas comment on soigne. Faudra que je regarde ça sur internet. Bon, t'as faim de ouf, c'est normal. Tu penses qu'à bouffer. Allez, roule. Oh, le périple. C'est quoi ça? Ça n'inspire pas la confiance. Est-ce que je pars dans les bons trucs au moins? Vite fait quand même. Ouais, mais si je continue tout droit, je vais dans un climat mieux. Allez, tout droit. Oh, il y en a mort de la neige. Putain. Non, le loup. Oh, il s'est pas pris une flèche de quelque chose là? Ah non, c'était du sang. Là, je le sens mal. Effectivement, en bas, c'est verdoyant, mais en bas, c'est à pic. Le cheval, il peut le faire. Il peut tout faire. Voilà. Je l'avais dit que le cheval il peut le faire. Voilà, c'est mieux ici. C'est plus accueillant. Tour de Valheim. Ah, il y a un truc là-bas. Arrêtez. C'est un péage ici. Ah bon ? Vous allez devoir donner, disons, 200 pièces d'or si vous voulez passer sur notre route. Lol. Donc il dit ça. Ah, mon cheval il va te zigouiller aussi lui. Regarde ce qu'il te fait mon cheval.
c'est qui tire? Le truc c'est que... Ah, je peux faire la cuisine. Ah, pas pendant que je combats. Mais ils sont où? Parce que moi je veux bien, mais... Moi j'y vais pas là, s'il faut. Se trouve c'est même pas là qu'il faut que j'aille. Eh merde, si. Oh, mais j'y vais. Je vais aller en cramer quelques-uns, tant pis pour eux. Allez. Oh l'enfoiré, mais c'est comment? Ah ouais, mais je suis malade. Je suis malade. Donc j'ai plus du tout de... Non, c'est loin ça. Donc j'ai plus du tout de protection. Putain. Ah, faut vraiment penser à faire des sauvegardes tout le temps. Ils auraient dû mettre une option sauvegarde automatique toutes les minutes. Eh, crame, touche pas mon cheval, toi. Je devrais peut-être pas rester là, il fait froid. Bon, je passais par là, mais c'était pas là que je passais tout à l'heure. On recommence, je sais pas où on va. Bon, c'est pas grave. On va continuer là. Quoi ça encore? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est quoi ça encore? Moi je m'en vais, moi, c'est bon. J'en ai assez vu des bestioles. Pas par là. Mais c'est quoi ça? La nature elle est hostile ici. On n'est pas en Amazonie ici. En Australie plutôt. Allez, on s'en va gentiment. Et eux là, ils font quoi là? Je ne sais pas. Mais ça... Lâchez-moi. Je n'ai pas de temps à perdre. Venez bien sagement et tout se passera bien. Frère, je pense qu'elle dit la vérité. Je n'irai nulle part. Maintenant, retirez vos selpattes avant que je m'envoie la manière forte. Qu'est-ce que c'est? Elle ne porte pas de cicatrices. Comment? Oh, vous avez raison. Nous avons fait une erreur. Partez avant que votre grande bouche ne vous cause de gros ennuis. La prochaine fois que vous chercherez des noises, assurez-vous de vous adresser à la bonne personne.
C'était qui ? Ces étrangers. Quelle nuisance. Ils m'ont prise pour une autre rouge garde. Ils ne voulaient plus me lâcher. J'espère qu'ils finiront dévorés. Ah ouais. Étrangers. Quelle nuisance. Allez, on repart. Vous avez un peu chaud, mais vous êtes toujours un peu froid. D'accord. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Et il faut que je trouve comment me soigner, parce que ça, c'est une galère. L'air est confortable par ici. J'ai fait même un petit peu de flotte. Pas monter par là. Je suis pas sûr. Un tombeau. Ouais, mais non. C'est pas du tout là que je voulais aller, moi. C'est là, mais c'est de l'autre côté en fait. C'est la galère là, des montagnes partout. Un lapin. Le loup, ça dégage. On aurait dit un renard. Tu as mangé le renard? Ah non, tu le cours juste. Voilà. Bon, on connaît les trucs ici. Sauvegarde rapide. On va même pas discuter avec toi. On dirait que je te crame. Arrêtez. C'est un péage. Allez, tais-toi, tais-toi. Voilà, ça c'est fait. Ah, je voulais pas monter sur le cheval. On va mourir, oui, c'est vrai. On va tous mourir un jour. Cuisse de la ping. Allez. Une torche. Commode. Ouh, sac à dos en cuir de qualité. Ça, je veux ça. Je vais même l'équiper direct. Ah oui. Je sais pas où c'est. Tenue, sûrement. Mais carrément. Là, je peux porter beaucoup plus. Enfin, 75 de plus, quoi. Allez, viens là, viens voir mon cheval, il va t'aider. Oh, reste tranquille. Oh là là, lui, il est vénère. Ah, c'est compliqué, hein.
Arrêtez. C'est un péage. Il est hors de question que je te donne quoi que ce soit. Donc ça c'est bon, on le mettra après. Quoi que je le mets maintenant. Saccado, saccado, saccado. Ouais. Allez viens, venez tous bande de chacals. Venez tous bande de chacals. Je vous attends. Allez. Je n'ai pas peur. J'ai pas spécialement peur non plus. Cheval, viens m'aider, cheval. Fais pas le con, cheval. Mon cheval, là, ça serait bien qu'il meure aussi, là, chef des bandits. Là, oh, 150 balles. Allez, la suite. Il s'en va. Cheval! Cheval! Mais cheval, tu vas où? Là, me laisse pas solo, cheval! Allez, il en reste deux. Ils seront moins costauds. Ici, ici mon gars, on arrive. Je vais vous tuer, je le jure. Ça c'est toi qui le dis. Bon, t'as la chance que je sais pas monter. Tu peux. Voilà. Flèche, flèche. Sur la mouche. T'es où? Ça, ça vaut cher aussi. Sac à dos de fortune. De soins, ouais, mais c'est pas pour soigner les maladies. Putain de mouches. Ah, il y a des mouches partout là, ça me gaze. Canne à pêche, non, non, non. Pff, ça, je sais pas à quoi ça sert. Le chou, on peut faire des trucs avec. Cette mouche, elle est en train de casser les bonbons.
prends ça là. Bon, mais prends ça si t'as envie, mais prends ça surtout. Voilà, je peux pas, ok. Bon, on va la chercher. On zigouille. C'est pas ça que je voulais. Faut vraiment que je revende toutes mes merdes. Pas de poids, arc, ça pourrait valoir le coup. Trop lourd. Je sais pas si je suis allé là où il faut. Mais non, qu'est-ce que je sens? C'est ça qu'il faut. Ouais, c'est pas là. Putain, j'ai fait quoi? Oh là 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 là. Je peux pas y aller avec le cheval. Ça m'étonnerait. Allez, on va tout cuisiner, tout ce qu'on peut. Et on peut pas grand chose. Ah mais il nous doit manquer du sel. Dans plein de recettes, il faut du sel. Oh, il se met à faire un beau soleil. Que j'ai pas fait encore une connerie là. Ça serait bien possible. Il fait beau, il pleut, faut savoir. J'ai voulu prendre un raccourci, mais c'est pas très raccourci. Non, novice, c'est pour moi. Pop, 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 encore. Danse du feu. Non, ils sont pas comme ça, les livres qui rapportent des trucs. Non. Il y aura que dalle. Que dalle. Des fois, il y a des livres qui valent super cher, mais pas là. Top d'enchantement. Mais j'ai rien fait voir. Est-ce que j'ai découvert un truc contre la maladie? Je crois pas. Résistance au poison, c'est tout. J'ai pas trop autre chose.
tôt. Pierre de Valra, imparfaite, 1000 balles. Ah ouais. Augmente votre santé de 10 points. T'as faim encore, putain. Ah, flèche noire, ça fait... Ça prend l'augmentation. Ouais, j'ai pas vu, mais ça doit être de l'archerie. Putain! Ah, ça y va. Sac à dos de mage, avec couchette. Capacité du port augmente de 75 plus la magie de 20. Oh, ben, va peut-être falloir que je commence à m'équiper d'objets là. On va tout regarder ce qu'il faut là. Tac. Santé de 10. Amulette. Éloquence. L'éloquence c'est bien aussi pour gagner des sous lors des marchandages. Et ça, 3% en lancement des sorts. Forcément, c'est pas mal non plus. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Sort d'altération. Je crois pas que j'en ai. Augmente votre santé. Ça, par contre, je pourrais. 20 points, c'est bien. Armure d'éclaireur, on s'en fout. C'est pour revendre. Armure de garde, c'est pour revendre. Ouais, d'accord. Tac, tac. Bouclier, ça c'est pour revendre. Casque de cuir d'éclaireur, on s'en fout. Je crois que j'ai vendu mon capuchon du coup. Je suis un teubé, j'ai vendu le capuchon. Sûrement. Est-ce que j'ai la robe? Ok. Sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Ça, c'est les arcs. Et ça, c'est 20 points de magie. Envoie, envoie. Sac à dos de qualité. Ouais, j'ai fait le neuneu. J'ai plus le capuchon parce que voilà. Du coup, je perds de la magie, bêtement. Je pourrais dormir quelques heures, ça ferait pas de mal. Après midi, on va dormir 3 heures dans l'après-midi.